Patrice. On va regarder les beaux yeux de la belle avec... C'est des yeux italiens. Donc là, on est un petit peu après 1974, on est en 1977. On est en 1977, ouais, mais c'est une voiture qui est sortie en 1974 aussi. Donc le modèle Alfetta est sorti en 60. Enfin, l'Alfetta est sorti en 73 et le GTV... Enfin, le GT à l'époque, c'était pas GTV, c'était GT. Ouais. Donc elle s'est faite en 1600 et en 1800 et après, ils ont sorti la GTV en 2000. D'accord. Et là, l'appellation 2000 et les modèles d'après, donc qui ont les pare-chocs plastiques là, qui sont sortis en 80, 81, ça s'appelle 2 litres, quoi, 2.0. D'accord. Et celle-là, c'est 2000, GTV 2000. Elle fait 121 chevaux. 121 chevaux. À l'origine, elle fait 121 chevaux, mais en faisant des petites bidouilles, les dernières sont sorties à 131 chevaux. C'était quoi les bidouilles? Qu'est-ce que tu faisais? Tu changes un petit peu les carbus, tu mets des gicleurs un petit peu plus gros. Et elle montait à combien après? Ah bah, je crois qu'elle est donnée pour 180. Ah ouais? 197. Ah ouais, avec de la petite bidouille comme ça? Bah tiens, bah voyons. Quand même, cette voiture, elle est très très belle. C'est un magnifique coupé tout en longueur. Elle a la ligne. Ah ouais, la ligne italienne, quoi. Ah ouais. Hey, Alfa Romeo 1910 à Milan, créé à Milan. Ah ouais, mais c'est une belle marque automobile. C'est joli, ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez d'Alfa Romeo, vous les alphistes là? Bah, le problème c'est qu'ils sont tenus par le marketing qu'il y a aujourd'hui et puis ils font comme tous les autres, quoi. Donc ils ont pas le petit peps, à part vraiment des hauts de gamme qu'ils ont, mais bon, si on prend les nouvelles voitures, ils ont du mal à se différencier des autres voitures, quoi. Regarde ça. Regarde ça. Ça, on va pas décoller le machin, tu vois, on le verra toujours le GTV, on peut pas décoller l'autocollant là, parce que c'est gravé dans la carrosserie. Ça, c'est malin, c'est malin, regarde ça, comment ils ont fait ça. Là, tu peux pas le faire. Ouais. C'est génial cette idée, je trouve. Si tu peux l'enlever parce que c'est boulonné par l'arrière. Ah, c'est boulonné par l'arrière, mais. Non, Ludo, t'en as peut-être une deuxième. Mais oui, là, il y a un deuxième moment de grâce. Fais péter. Oh là là. Ah, fais péter, sinon il va me taper une crise. Alors, fais péter. Fais péter l'antenne. Vas-y, Patrice. Oh, magnifico. Regarde ça, si c'est beau. Voilà, de la même façon, et ça, c'est toujours opérant, c'est le rangement. Oh non, mais c'est d'un chic. Moi, je trouverais ça chic, mais tout le temps. Ouais, magnifique. Et c'était écrit dessus, Alfa Romeo. Par contre, il n'y avait pas les appellations. C'était marqué sur le côté, mais derrière, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien, c'est Alfa Romeo. Ouais. T'as eu la majorette, toi, Brice, de ça? Non. Pas eu en miniature. Moi, ça me parle, ça. J'ai cette miniature. Moi, je pense que je l'ai eu avec ses feux à l'arrière, très caractéristique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'en peux plus. Mais oui. On va aller voir les dessous. Regarde. Là, il y a un réservoir. Pareil, c'est un peu le même système que chez Philippe. Bon, c'est propre. Hein. Ouais, t'as la roue de secours qui est dans le coffre. Tu l'as depuis quand, cette auto? Alors, je l'ai depuis 2020. 2020. Ah oui. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça, mais elle est restée 2 ans et demi en carrosserie. Parce que quand je l'ai eue, elle était présentable, mais quand on a gratté un petit peu, on s'est aperçu qu'elle était, comme toutes les Alphas, pourrie de chez pourrie, quoi. Ah ouais. Donc j'avais un carrossier à l'époque qui était relativement très bon, donc il me l'a refaite complètement. Ouais. Il me l'a refaite complètement, donc on a refait les bas de caisse, on a refait toutes les gouttières. Étaient, bah, et, c'était et où alors les zones très ici, abîmées ici, du coup derrière, là. Elle était abîmée du haut, celle-là, ici. Là. Et pourquoi ça prend l'eau par là? Bah, ça prenait l'eau, je pense qu'elle a couché dehors. Et puis Là, c'était très abîmé, de l'autre côté aussi. Ouais. Contrairement à beaucoup de voitures, les soubassements n'étaient pas trop abîmés. Ouais. C'est le haut ici, là, tout ça, c'était complètement... Avec les gouttières, là, l'eau, ça retient l'eau, ces gouttières. Ouais. Ah ouais. Et donc, elle a été refaite. Oh, bah, dis donc, c'est bien bossé. Voilà, hein. Donc, elle est restée 2 ans et demi chez le carrossier. Ah ouais, quand même. Et... Donc bon, je l'ai récupéré et puis après il a fallu que je remonte. Enfin, c'est une histoire un peu très longue. En tout cas, elle roule aujourd'hui, voilà, 3 ans après. Donc je l'ai remis en route en décembre l'année dernière. D'accord. Et depuis, je fais des rallyes avec. On a fait les Vosges, j'ai été à Bordeaux. la semaine dernière, j'ai fait le Morvan. Elle a fait 4-5 000 km. Quoi, c'est bien, elle roule cette voiture. Et si tu nous montrais le moteur, tiens. Ah bah. Hein, on va regarder, c'est quand même le cœur. Ah oui, c'est le cœur, mais... Tu vas voir avec l'autre voiture, tu verras pas de différence. C'est le même moteur. Ah, c'est exactement la même chose. C'est le Bialbero, C'est le Bialbero. Tu vas voir. Ah, bon, à part le couvre culasse que j'ai pas peint en rouge, qui est resté d'origine en bleu, mais tu vas voir, c'est exactement le même moteur. Ah bah oui. Tu vois. Donc tu veux dire que la peinture, en fait, sur la tienne,
Et il a été peint après, en fait. Je sais pas. Bah, tu vois, la preuve, on apprend des choses, Des culasses rouges, des culasses grises. Ah ouais. C'est toujours un petit peu décalé. Donc, tu vois, le moteur, c'est le même, mais celui-là, c'est un 2 litres. Alors, on regarde les. Enfin, on arrive à trouver les trucs. C'est sur la culasse, là. T'as un 2-0, et là-bas, tu dois avoir un 1.3. 1.3, sur la culasse, là, c'est marqué 2-0. Mais c'est la même typologie de moteur, en fait. Mais c'est exactement le même moteur. Tu regardes les échappements, mais il est plus puissant quand partout. Même. Ouais. Ah bah oui, c'est un 2 litres. Ouais. C'est le 2 litres. C'est 2 litres. Et là, c'est des carbus, des Lorto. C'est des Lorto. Mais si tu regardes, tu as vu, tu les mets l'un à côté de l'autre, le filtre à air, tout, c'est exactement pareil. Quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est la même disposition, la batterie, le moteur, machin. C'est pareil. Il y a la même chicha au fond. Ah. Et regarde, le même décalage du moteur. Ouais, il n'est pas totalement horizontal, tu vois. Il est un peu décalé. Il y a une inclinaison, effectivement. Et là-bas, qu'est-ce que c'est là-bas? T'as un petit truc, une petite dérogue là-bas tout au fond en doré, là, en or. C'est la bobine. C'est la bobine d'allumage. La bobine, je l'ai changée cette semaine. Ah, d'accord. Je l'ai changée cette semaine. Bah, parce que d'origine, il y avait une bobine avec un ballast et ça me faisait chier, donc j'ai viré. Et puis j'ai mis un allumage électronique. Et bah voilà, tiens, paf. Moi, j'aime bien la fiabilité, donc. Ben oui, ça fiabilise le truc. Hein. Voilà. Ouais. Et, c'est pas. Faut pas. Bah non, tu le vois pas. Tu vois pas. C'est pas dérogé. Ça, c'est pas grave, franchement. Tu vois pas. Oui. Mais oui, mais c'est mieux, t'as pas d'entretien, c'est clairement. Ça démarre mieux, c'est plus sécurisant, tu pars sur la route avec quelque chose qui est fiable, qui roule et qui est plus fiable que les vis platinées. Je jette un petit œil quand même à cet intérieur là, vite fait. Oh bah dis donc, c'est quand même intéressant, je me permets. Hein. Ah ouais. Regarde ça comme c'est intéressant. Le compteur, tout est au milieu. Ouais. Oh, c'est drôle. Le tour en face, le volant. Oh. C'est spécifique à la GTV. Oh bah j'adore. Ah ouais, j'adore la façon de faire là. Génial. Ça, tu vois, c'est le Peps Alpha en plus, c'est le sport, ça. Le tour au milieu. Mais oui. C'est ça qui t'intéresse. C'est un peu comme chez Porsche, ils mettent souvent le contour. Mais bon, ça m'arrange pas trop parce que ma femme elle voit souvent le compteur. Elle ah ouais, c'est vrai que pour les dames. Et alors, elle a 150 000 km. Honnêtement, je sais pas. Tu sais pas combien elle a hein. Je sais pas. Elle est à 49 500, je pense qu'elle est à 150 000. Ouais, peut-être 250, je sais pas. Ah mais ouais, carrément. Je sais pas. C'est des compteurs à 5 chiffres, donc ça fait facilement le tour. C'est une des rares coupées où il y a un coffre qui est quand même balèze. Bah, on le voit. Hein. Tu pars avec, tu peux mettre des valises. Voilà, regarde. T'as vu le Saint-Vérin? Oh, tu peux mettre des valises. Ah, il est content, mon Ludo. Là, il a un Saint-Vérin. Oh là là, il est beau celui-là, j'en ai jamais vu des comme ça. Un Saint-Vérin central. GTV, ouais. Il y avait, GTV, je me souviens plus, tu vois. GTV6, c'est pareil, c'est le même principe. Magnifique. Bah, c'est les mêmes caisses, hein, GTV, GTV6. C'est vrai qu'il y a de la place hein, quand même. Mais hein. Bon, tu pars, tu peux mettre tes valises dedans, c'est appréciable, quoi. Bah ouais, carrément. Le seuil de chargement est un peu haut, mais t'as du coup. Ouais, bah là, il faut lever le volant, c'est sûr. Ouais, c'est ça, faut pas. Voilà. Mais bon, ça fait faire un peu d'exercice, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Bon, écoute. C'est le son typiquement alpha. Hein. Ah ouais, c'est génial. C'est une mélodie. C'est une mélodie, c'est ça. Un beau 4 cylindres. Il est 11h43 et 37 secondes. T'as mis l'heure, c'est bien, Patrice. Ben non, mais ça, je m'en sers pour les rallyes. Tu sais. Ah oui, bah oui. Les rallyes de régule. Bah bien entendu. Il faut un chronomètre. Bien entendu. Ça c'est marrant, hein, ces compteurs, oui, qui ne t'arrangent pas pour madame, parce qu'elle voit tout, elle voit tout, madame, avec ça. T'as mis un autoradio moderne. Voilà, bah oui, faut quand même vivre avec son temps. Ouais, c'est ça, t'as raison. Parce que de toute façon, en plus, tu mets des autoradios d'époque, les grandes ondes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une station sur les grandes ondes. Ouais. Puis bon, bah voilà, j'ai le téléphone, j'ai tout de suite, marche bien. Bah écoute, c'est pratique. Alors là, c'était du faux bois. Hein. Là, ils te mettaient un plastibois, ouais. Pourquoi pas. Mais bon, bien. Oui, le tableau de bord est un petit peu spécial. Ah ouais, mais c'est très original, mais c'est bien d'avoir sauvé cette voiture. Voilà. Et bon, c'est confortable, quand même. Mais alors, Patrice, président de club de voitures anciennes, propriétaire de voitures de passionnés comme ça, alpha, oui, anciennes. Oui, oui. Bon, j'ai pas que des alphas. Hein. Ouais, t'en as combien de voitures? J'aime tout, moi, j'en ai 6 en tout. Pour l'instant. Il y a de quoi dans cette collection. J'ai des Triumphs. Parce que j'étais jusqu'à très peu de temps, j'étais Triumph à fond. D'accord. J'ai eu toute la gamme des Triumphs. TR3, TR4, sauf la TR6, je ne sais pas trop. Des vitesses, Herald, Spitfire, j'ai eu
la Triumph. Et puis après, bah, j'aime bien les autres voitures, donc je cherchais pendant un moment une Fiat 124 coupée. Ah oui. Et j'en trouvais pas. C'est rare ça. C'est très rare. J'en trouvais pas, et donc comme j'avais envie d'une Fiat 124, j'ai acheté le Speeder. Le Speeder, donc que j'ai restauré aussi à un moment. J'ai roulé 5-6 ans avec, et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, je vais le restaurer, et je l'ai donné à restaurer en carrosserie. Quoi. D'accord. Et puis entre temps, j'ai trouvé un coupé 124. Donc j'ai un coupé, j'ai un Speeder et un coupé 124. Ah d'accord. J'ai une TR4, j'ai une Vitesse 6, une Triumph 2000. Ah ouais. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai retapé, que ça faisait 24 ans que je n'avais pas roulé. Donc je l'ai remis sur la route, mais elle n'est pas cosmétiquement, elle est pas belle, quoi. Elle est vraiment dans son jeu. Et ça devient d'où du coup cette passion pour l'automobile? Je ne sais pas trop. Mes parents n'étaient pas de la famille. Dans l'automobile. C'est toi tout seul. J'ai toujours aimé l'automobile. Dès l'instant où j'ai pu passer mon permis, je l'ai passé, j'avais 18 ans. Ouais. J'avais acheté des voitures avant. Et quand j'ai eu mes 18 ans, Eh bah écoute, hein, ouais, tout de suite, t'as pas perdu de temps. Et allez hop, auto. Avec mon frangin. C'est pas ton métier, si? Non, du tout. Non. Moi, j'étais dans l'informatique. Ouais, enfin, dans l'édition de documents numériques. Exactement. D'accord. Bon, bah. Donc, c'est rien pas du tout mon métier. Mais enfin, j'ai quand même une base d'électro. À la base, je suis électromécanicien. Ah, d'accord. Oui, quand même, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Et c'est pour ça que tu l'as fait toi-même, ton entretien. Tout ce qui est mécanique, je le fais toi. Il n'y a pas de problème. J'en ai des projets. Je suis un peu bridé par ma femme. Ah, madame, c'est parce pas beau. Effectivement, quand je veux acheter une voiture, elle me dit oui, mais encore une, non. T'as plus de place, il faut que t'en vendes une, etc. Ouais. Donc si j'ai un projet, je pense que il faut te séparer d'une. Que voilà, faut que je me sépare d'une. Bah là, pour avoir la 2000, je me suis séparé de ma 1300. J'avais une 1300, TC. D'accord. C'est le seul modèle que Triumph fait en traction. Bah ça se comprend. En 2000, 1300. TC, bah... Et donc, j'ai été obligé de la vendre, mais ça m'a fait un peu mal au cœur parce que ça faisait 23 ans que je l'avais. Ah, donc, ouais. Tu vois toujours partir la voiture voilà, avec un... Bon, bah, je me suis dit c'est pour la bonne cause. Oui, après derrière, tu as autre chose, c'est sûr. Voilà. Mais non, en projet, j'ai plein de projets, mais bon, après, il faut que je les concrétise. Quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu aimerais acheter comme voiture? Quelle voiture te fait rêver encore aujourd'hui là? Toutes les voitures. Ah, toutes les voitures. Ah, c'est beau ça de dire ça. Moi, toutes les voitures me font rêver. C'est beau de dire ça. Toutes les voitures me font rêver. Quand j'ai l'occasion d'avoir des voitures, de conduire des voitures, je suis heureux. C'est beau. Voilà. Un gars avait dit sur la chaîne, la plus belle voiture, c'est celle qu'on aime. Oui, bah bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Je pars avec toutes mes voitures. Quoi. Là, cette année, j'ai beaucoup fait rouler l'Alfa puisque je l'avais restauré. Ouais. Les autres années, je fais rouler les Fiat. En moyenne, par an, je fais avec les anciennes, je fais entre 15 et 20 000 km. Quoi. C'est pas mal, hein, en ancienne. Toutes confondues, quoi. Ouais, parce que je prends jamais. Mais bon, c'est ma voiture de tous les jours. Je vais chercher le pain avec. Avec celle-là, voilà, là avec toutes les voitures. Ah, ouais, tu tournes, ouais, ça tourne. Je tourne. C'est confortable. Quoi. Bah oui, c'est pas mal. Hein. On est descendu à Bordeaux avec mon épouse. Elle aime pas trop les voitures. Enfin, elle aime bien les voitures anciennes, mais il faut qu'elle ait son petit confort. On est descendu à Bordeaux. Tu fais de la route. Ouais, quand j'étais jeune, j'en ai eu combien, 2-3 des Alphetta comme ça. Eh bah écoute. Donc voilà, et puis les gosses, ils étaient derrière, et puis voilà, ils ont survécu. Hein. Si Patrice, pour ce petit tour dans le temps, on remonte le temps avec ces autos. Hein. Ah bah c'était oui. Top, merci à toi. On va aller voir la dernière. Hein. Ouais. Hein? Je vais peut-être me faire accompagner par les vrais alphistes parce que moi je suis pas très Alfa Romeo. T'es pas alphiste toi. Ah, attends, fais voir. Je comprends pas. Pourquoi bah, t'es pas alphiste toi. Alfa Renault. Alors. À quoi qu'apparemment il y avait une Dauphine qui était sortie sous la marque Alfa Romeo. La marque Alfa Romeo, tout à fait, en OEM. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas l'histoire. Si, il y a une Dauphine qui était... à l'époque, il faisait comme aujourd'hui, des collaborations. Des OEM. Comment il voulait une petite voiture un peu populaire. Et c'est vrai que chez Alfa, il n'y en avait pas.
Ils ont fait une collab avec Renault. Donc ils ont fait une association avec Renault, et Renault envoyait des dauphines qui étaient badgées Alfa Romeo. Ouais. Allons voir la dernière, accompagnée des alphistes, comme tu dis, mais elle est en bel état celle-là. Ouais, elle a été repeinte il y a 10 ans. Elle est dans un état, alors je vous fais, on regarde un peu, on fait le tour vite fait, là. Je montre à la caméra cette beauté, regarde ça, et puis alors, mais qu'est-ce qui s'est passé sur les sorties de peau? Ah, c'est une, mais une qu'est-ce sortie que... de peau inox. Mais elle... oh là là, regardez ça, ça... mais ça brille. Ah ouais. Oh, puis même la marmite, elle est peinte en rouge. Ouais. Putain, c'est classe. Ah ouais, c'est chic. Ça ressemble beaucoup à la GTV un peu. Hein. Bah, c'est un peu la GTV des pauvres. C'est, la, c'est la mini GTV. C'est ça, c'est une carrosserie, ce qu'ils appellent fastback. Hein. Ouais. Donc avec le toit fuyant comme ça. Toit fuyant et puis très court. Voilà, donc en fait c'est une base sur une base d'Alfa Sud. L'Alfa Sud qui était sortie en 71. Et puis en 76, ils ont décidé de faire un petit dérivé coupé, donc la Sprint à partir de 76. Avec au début des 1300 qui développaient, ou même des 1200 qui développaient 70 chevaux. Donc c'était un peu limite. Donc après, à partir de je sais plus trop quelle année, ils les ont sortis en 1300 puis 1500 comme celle-ci, donc en double carbu, double corps, qui développe 95 chevaux. Et là, ouais, ça marche bien. Bon, là, ça fait 95 chevaux, ça roule quand même. Hein, bah ouais, surtout que c'est pas très lourd. C'est plus de 180 à l'heure, je crois, en vitesse de pointe. Ouais, c'est un peu plus de 180. Bon, et puis la face avant, bah, typique Alfa Romeo, hein, le double regard jaune. Sur les Alfa Sud, t'as les feux carrés. Et sur la Sprint, ils ont pris face avant 4 phares. Hein. Magnifique. Et puis ça. Ça, c'est de bon goût, ça. Ah bah ça. Hein, le trèfle à 4 feuilles. Quadrifoglé. C'est ça. Alors, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. La Giulia Quadrifoglio, là, le moteur Ferrari, de voiture d'une bête de course. C'est ça, oui. Cette bagnole-là, d'ailleurs. Hein propriétaire de. Et hein faudrait peut-être venir un jour montrer tout ça. Peut-être bien de faire essaylibre.fr. Là. Oh, alors. Alors. Hein non, non, mais très beau. Très beau petit coupé, franchement, c'est un bonbon. Je vais te dire, là, là c'est une voiture qui appartient au copain d'un copain. Ouais. Puis le copain, par manque de temps, n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'elle est à vendre. Donc du coup, donc tu la vends. J'ai la mission de la vendre, au moins de la faire tourner, de l'exposer avec des affiches, voilà, comme quoi elle est à vendre. Et c'est libre. Et voilà. Et puis vos oreilles. C'est le bon coin automobile. C'est ça. Donc là, messieurs dames, avec la voix de Pierre Belmar. Alors, combien Marie. Quelle voiture qui a été repeinte il y a 10 ans. Le moteur parfait. Les roues parfaites. Les jantes, parfait. L'échappement. L'échappement, parfait. Pour le prix de 6,95 francs. Oh, c'est tout. C'est pas cher. Non, non, non. Non, non, elle est à 10 000 euros. Là, 10 000 euros. Elle est à 10 000 euros. Donc, c'est un rapport qualité-prix, je pense, qui est vraiment convenable parce que la bagnole. Ça fait plaisir. Ah, bah ouais. 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 Pour qui aime les années 80, parce que là, on est en 1980. Oui, oui. Ouais, elle est de 80. C'est une des toutes dernières en série 1. Hein, parce que c'est sorti en 76. Et je crois que la dernière année où elles sont commercialisées avec les pare-chocs inox et tout, c'est 80. Bon, 1980 avec ton moteur de 95 chevaux. Ouais. Donc s'il vous j'ai plaît. Un dossier facture complet. Elle est... Vous voulez bien Elle dort au garage, sous la housse. Il y a la housse d'ailleurs qui est dans le coffre. Bon, donc voilà. Vous voulez bien nous montrer le compartiment moteur? Bah, si vous voulez. Allons-y. Ah oui, alors là, ça n'a plus rien à voir, effectivement. C'est un moteur à mais il est très compact. C'est original. Mais il est super compact. Ah, c'est marrant. Comment c'est foutu? Puis alors il passe en dessous et là au-dessus ils ont mis des trucs. C'est la boîte hein, derrière. Là, c'est bon. Ah c'est la boîte de vitesse là-bas derrière. Eh ben dis donc. C'est marrant ce compartiment. C'est très original mais pourquoi pas. Ils ont fait une disposition autre. C'est-à-dire que là tu as accès à ta batterie, elle est en étage. La batterie de ça c'est assez simple. Ouais c'est assez accessible effectivement. Donc cette voiture, elle a, dans cette phase-là, elle a été... Elle est parue dans les années... 76, elle est sortie. 76 jusqu'en 80. Jusqu'à 80. Après, elle garde la même gueule, mais elle a les pare-chocs plastiques, elle a les jambes différentes. Voilà, ça hume les années 80, la plastification. À mort, la plastification. C'est une ouverture. Là, le seuil de chargement. Alors là, tu te tues. Là. Je pense que tu t'échauffes. Tu t'échauffes. Tu t'échauffes sur celle-là. Après, tu recommences tu te, un peu sur celle-là. Tu commences à te claquer. Et tu finis celle-là. Et là, tu te claques complètement parce que tu n'arrives pas à monter la valise. Hein. Voilà. Ah ouais. C'est marrant ce truc là, à scratch. C'est la housse avec laquelle elle est. Ouais. Voilà. Et puis. Et le dossier Sprint. Le dossier, voilà. Il y a toutes les factures, tout le fil. Un moteur en litre. Ouais. Très, très beau.
Voilà. Et puis bah t'as le petit couvre-bagage comme ça. Mmh. Voilà. Et puis 200 V1, t'es content? Bah oui, non, bah ça, très content. T'as là, même sur... pas vu le mécanisme du capot. Bah non, qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde, je vais te refaire. C'était quoi? C'était petit jet, 5 V1, on a été subjugué par le moteur. Tu vas voir. L'originalité du moteur. Tu vas voir, ça se passe par là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tac. Et ça c'est malin. T'as vu? Ça c'est encore un autre mécanisme. On a vu toutes les sortes sur Essai Libre. T'as vu, hein? Les mécanismes d'ouverture des capots. Il est cranté celui-là. Il est cranté. J'appellerai ça la tigette crantée. La tigette crantée. Voilà, c'est magnifique. Alors mon petit Brice, regarde si on n'est pas bien là. On est bien là. On est bien. Toi moi. Hein. Ouais. Bah moi un peu moins, mais en fait le secret dans cette auto, il faut vraiment s'enfoncer dans le fauteuil, vous voyez, pour pas toucher le plafond. Si je m'assois bien droit, c'est mort. Je peux pas. Faut que tu prennes la position feignant en fait. Bah c'est ça, un peu feignasse, mais en même temps. Tu vois, il y a des voitures que moi, je peux pas, avec mon gabarit, comme la Mazda MX-5. Moi, j'adore cette petite voiture, ouais. mais je me sens un peu claustro là-dedans. C'était engoncé. Et alors, t'as la pendule quand même, elle est bien cachée. Le passager, il a presque pas le droit de la voir. Ouais, ça fait 15 jours que j'ai la voiture et ça fait 15 jours qu'il est 8h. bah ouais, parce que la trotteuse, elle tourne plus. Non. Volant en bois, bel état. Super agréable. Petit pommeau. Le logo Alpha, enfin vraiment bien. Hein. Ouais. Non, elle est en bel état cette auto. Pour 10 000 balles. Tu vois, j'ai une glace intérieur-extérieur. Ouais. Bon, voilà. Tu vas te maquiller. Ouais. Puis quand tu veux voir, tu la mets là. Bon, elle sera recollée. C'est pas grave ça. 1980. Hein? C'était la couleur de ma Twingo. Était rouge pareil. Oui, mais l'année d'après, j'ai été élu président de la République. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. L'autre, il a fait au revoir. Au revoir. Oui, pour l'accordéon. Et t'es parti en accompagné avec un émoi. Ça, c'est une autre époque. Hein. C'est ça. Il y en a qui vont faire du yoga, nous on fait une vidéo et c'est libre. C'est ça. Non, mais ça fait toujours plaisir de partager cette passion. Tous les dimanches matin, avec le bol de café, on s'abonne, c'est pas fait. Ouais. Voilà, tout un toit, quoi. Hey, c'est super agréable comme bruit. Hein. Bah écoute, oui. Moi, je suis enceinte, je reprends, regarde. T'as même pas obligé de rétrograder. Ouais. Ça part bien. Hein. Avec un quart de cylindre, tu peux te faire plaisir. Bien sûr. Bah oui. Tu peux te faire plaisir, là. Clairement. Et papa Brice, il nous disait, ouais, oh, Alpha, de toute façon, 1 litre 3 à 80 chevaux, t'imagines, la fiabilité, il est pas. Bah si, elles sont quand même mal réglables. Si. Papa Brice, il a dit ça, papa. Papa Brice, ouais, il trouvait que les Alpha, 1380 chevaux. Attends, je vais me regarder dans le rétro pour voir. Ouais, c'est bon. On est bien. Putain, ça se coule, hein. C'est très très vif. C'est très sensible une Alpha. Hein. Ouais. Petit peu de direction. Ah ouais. Tu l'accompagnes bien jusqu'au bout, voilà. Ouais. Tu vois, t'es à 2000 tours et malgré tout. Regarde. T'as vu comment ça fait? Ça c'est bien les voitures comme ça où. Putain, y a pas de frein. Hein. Faut y aller, hein. Faut appuyer. Ah oui, faut appuyer. C'est une voiture de mec. Ça c'est bien. J'ai déjà dû piler 2-3 fois. Tu t'es mis debout. Ouais, non, ça répond. Bah c'est pas mal. Franchement, à conduire, tu vois. Y a du peps. C'est italien, y a du peps. Regarde, tout de suite, tu vois, ça répond. Ça, c'est les voitures. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est drôle. Bon, la boîte, ça va, hein. C'est pas la mort, hein. Ça gère. Ouais. Eh ben, écoute, moi, j'achète. Ah bah, vas-y, c'est vendu. C'est vendu, 10 000, allez, c'est parti. Non, mais c'est pas... Regard merveilleux. Bah, écoute, oui, hein. Je vais filmer les compteurs. Allez, on va filmer les compteurs en douceur, regarde. 77 000. Bon, eh ben, écoute, moi, franchement, je suis emballé par cette voiture, par son dynamisme, tu vois. C'est ça qui me fait plaisir. Ça, c'est une Alpha. Ouais. Je reconnais bien là les Italiens, ils sont forts quand même. Hein. Oui. Hein.
ça traîne pas avec les Italiens. Ils ont pas que ça à foutre, tu vois. La triplette, c'est vrai qu'il y a de la voiture rare là, hein. Il y a de la voiture rare, regarde ça. Peut-être la plus rare, c'est celle-là. La Giulia. Giulia. Giulia, parce qu'en France, ça, faut se lever de bonne heure pour trouver. Hein. Se lever de bonne heure. Et la GTV. On a pris encore, avec cet Alfa Show, ouais. On a pris encore un moment de bonheur. Ah, un moment de bonheur. Ah, ça, ça fait plaisir. Je me suis dynamisé à la fin avec cette petite conduite. Hein, de cette Sprint Véloce, 1,5 litre. 1,5 litre, ouais, tu vois, avec des petits moteurs, t'arrives à... Ah ouais, ça, ah ouais, ça marche ça en super veut, bien. Ça en veut, j'adore. Ouais. Merci Philippe pour ce petit tour, un bonheur ce matin entre alphistes. Un plaisir. Merci Patrice pour ce bon moment, tous ensemble, avec des belles alphas. Ça, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc, j'espère que vous, au bout de la caméra, vous aurez aussi apprécié ce moment passé ensemble. Oui. Si on a aimé cette vidéo, bah oui, le pouce dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Si on n'est pas abonné, bah on n'hésite pas à le faire parce que ça coûte rien. Et puis voilà, voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on rit. Question que j'avais posée là, les alphas, oui, non, et pourquoi ? N'hésitez pas dans les vous commentaires. Vous avez 4 heures, il en reste plus que 2. Ouais, il en reste plus que 2. Il faut répondre à ça dans les commentaires. Surtout, mon beau petit Brice, qu'on va continuer à faire. Venez tous avec moi. Allez, venez tous avec moi. Vivez votre passion. Oh, ils sont beaux, c'est magnifique. Merci à tous, à bientôt. Ciao.